Donc là, mes amours, j'ai mis du lait, un œuf et voilà, de la vanille. On va prendre la brioche et on va faire une petite entaille pour mettre le Nutella à l'intérieur. Donc là, hop, on va venir tremper. Et ensuite, et voilà mes amours. Bon mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis toujours très très malade. En fait, je sais pas si je suis moins malade ou si mon corps il commence à s'habituer. Genre tellement je suis malade, ça y est, j'ai trop hâte de vous montrer. J'ai reçu des colis, des pépites de... C'est une espèce de montgolfière qui vient de Narhil. J'ai reçu des très très belles invités. Une petite montgolfière en chocolat. Donc là, il y a écrit... De view, donc cassez-moi, libérez-moi, je sais pas, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai peur d'en mettre partout et je veux pas le casser, c'est trop beau. Trop bon. Trop, trop bon. Regardez comment c'est original. Il y a un petit papier à l'intérieur. Faut juste pas archi original. Je trouve ça trop, trop, trop mignon comme invitation. Mais oui, la date, vous allez me dire, oh, mais c'est passé et tout. Mais c'est parce qu'en fait, il a plu, donc ça a été décalé. Faut juste que j'aille sortir faire 2-3 courses, donc rien de ouf. Mais je commence à reprendre petit à petit mes snaps, je suis contente là, petit à petit. Petite tenue, voilà, du jour. Ça c'est une jupe, mais en fait c'est un short, enfin voilà. Je suis dans le speed, mais par contre je peux pas m'empêcher de m'arrêter dans cet endroit. J'ai plein de trucs à faire, mais je m'arrête ici derrière, il y a Sephora, faut même pas que je regarde. Mais je peux pas m'empêcher. Ça sent trop bon, j'ai le nez bouché mais je sens tout. Du coup je suis partie faire mon rendez-vous et j'ai pris pas mal de petites choses. J'ai pas beaucoup de couleurs à mon visage. Mon visage, j'espère que vous ça va, moi ça va. Comme je vous ai dit, c'est pas que ça va mieux mais je crois que je commence à m'habituer. 1h30, je me barre. Alors mes chats, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ça sentait trop trop bon. Ah mais c'est ce fil que j'aimais trop. J'arrivais plus à le retrouver. Lui, il est super naturel. Je me disais bien que l'autre, ça me faisait une tête trop bizarre. Mon bébé! Ça me faisait un nez trop petit, trop bizarre. Là, c'est ma tête, genre. J'essaie de vous faire un petit unboxing, mais warm vanilla sugar. Mamie! Yes. On reviendra un peu plus tard quand... Les filles, c'était ma petite tenue du jour. Donc, soit vous pouvez rentrer le top. Franchement, comme ça, j'aime bien. Ce fil, je trouve tellement plus naturel. Par contre, on dirait mes yeux. Je sais pas, mes yeux là, ils sont trop bizarres. La peau, je vais pas faire la mytho. Mais franchement, ça, c'est ma tête. C'est-à-dire, vous me voyez dans la rue, je ressemble à ça, mais vraiment. Pardon. Non, la peau, elle était genre super blanche. Bon, après, je suis claire, hein. Mais la peau, elle était hyper blanche. Le nez, il était tout petit, petit. Je crois même pas que ça existe, un nez comme ça. Je suis là, je suis en haut. C'est mon mari. On va faire le unboxing. Donc, de toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure. J'ai acheté ces deux trucs-là pour se laver les mains. Je trouve que ça sent trop trop bon, mais vraiment vraiment, c'est à la cerise. Ça sent archi bon. Et les trucs que je trouve pailletés, c'est soit des gels, soit des huiles. Franchement, ça a tendance à vraiment m'énerver. Même les huiles sèches, à la limite, ça passe, mais j'ai du mal. Et des fois, tout ce qui est highlighter et tout, c'est joli et tout, mais c'est pas pareil. Ça, je pense. Attends, je vais vous mettre en photo après. Donc ça vient dans ce petit pot. Déjà vous voyez que c'est archi nacré. Je vais essayer de vous montrer ici sur le dos de crème. Qui donc n'est pas grasse. Regardez comment c'est trop beau.
C'est magnifique. Bien la petite coiffure en mode j'espère croiser personne. Vous voyez quand vous sortez comme ça, mais bon, je suis à la maison. Non, mais vous savez que c'est trop beau, regardez. Non, il se réveille. Réveille, mais il veut juste que je sois à côté de lui. Vous voyez. En gros, dès qu'il voit que je suis à côté de lui, il pleure. Mais s'il voit que je suis à côté de lui, si je fais ou je sais pas quoi, ou, ou que je respire, et ben du coup, il se rendort. Mais s'il m'entend pas et s'il me voit pas, et ben il se met à pleurer. Donc, les filles, moi je mets son lait là-dedans. Vous voyez, je prépare. Déjà les doses de biberon avec lui. Ici, j'ai juste à ouvrir, hop, tac, 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 de vanille. Et franchement, je trouve ça vraiment formidable que ça, c'est vachement pratique. Et du coup, vous savez, j'ai envie de manger quoi là? De la brioche. La brioche, le genre de pain perdu que j'ai fait là. Enfin, c'était une brioche, c'était trop, trop bon. Trop, trop bon. La team, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on se fasse un petit débat? Là, il est tard ici. Mais j'aimerais bien que vous m'envoyiez plusieurs thèmes de débat. Et ce soir, je choisis le thème et vous me posez toutes vos questions et demain, on répond ensemble. Désolée. Enfin, désolée pour moi, mais j'ai pas pu m'en empêcher. C'était trop bon. Cette brioche, cette marque-là, la boulangère. Je sais pas, c'est un délire, c'est une dinguerie, c'est trop bon, c'est moelleux. On dirait que c'est rempli de sucre, c'est trop bon. En train de dormir, mais on va voir. Je crois que j'ai halluciné. J'ai entendu pleuvoir de ouf. Le pire, j'ai envoyé un message à Manon. Je lui ai dit, il pleut, ça fait 3 minutes. Non, mais c'est trop bizarre. J'avais les yeux ouverts. J'ai entendu ça pleuvait. Enfin, je sais pas si on dit comme ça pleuvait à mort. Et après, ça s'est calmé. Je sais pas, trop bizarre. C'est même pas mouillé par terre. Je suis folle ou quoi? Ça y est, j'arrive plus à dormir maintenant. Mon mari est en train de jouer en bas. J'ai envoyé un message. J'ai dit, t'as entendu la pluie? Nanana. Ça y est, il est 1h du matin, je dors plus.